Je m'appelle Apolline Jemin et je suis développeur foncier chez Bouygues Immobilier. Mon métier intervient tout en amont d'un projet immobilier puisqu'il consiste à identifier des terrains constructibles pour y développer des opérations immobilières. Lorsqu'on a identifié un terrain, on va ensuite entrer en contact avec les propriétaires, puis on va étudier une étude de faisabilité avec des architectes. Nous allons prendre des hypothèses commerciales et techniques et établir un bilan financier pour ensuite faire une proposition de valorisation aux propriétaires. S'ils sont vendeurs, nous rentrons en discussion et si cela fonctionne, nous aboutissons sur une promesse de vente que l'on signera chez le notaire pour sceller nos accords. Ce que je préfère dans mon métier de développeur foncier, c'est le fait de partir d'une feuille blanche, d'être complètement à l'initiative du projet immobilier. On va avoir un terrain, puis on va travailler en partenariat avec notre architecte, avec nos bureaux d'études, avec notre direction commerciale et notre direction technique pour prendre toutes les hypothèses sur le projet. La deuxième chose que je préfère dans mon métier, c'est la diversité des interlocuteurs que je peux avoir au quotidien. On va échanger avec des propriétaires fonciers, avec des architectes, avec des agents immobiliers ou des notaires, et également présenter des projets avec les collectivités. Ce que je préfère chez Bouygues Immobilier, c'est la qualité des outils que l'on a pour travailler. Les logiciels internes, l'information à laquelle on a accès, les partenaires avec lesquels on travaille, le fait d'être un grand groupe et d'avoir une renommée nous apporte un réel atout au quotidien. La deuxième chose que je préfère chez Bouygues Immobilier, c'est que ce soit une société qui responsabilise énormément ses collaborateurs. Elle nous met sur le terrain très tôt, nous fait confiance et nous donne des responsabilités. Ça nous permet de gagner en autonomie et prendre de l'assurance, et c'est une très bonne école de formation.